Clément Mierassa, figure de l'opposition congolaise, homme politique aiguisé et aiguillé, a reçu des menaces d'intimidation de la part du dictateur Denis Sassou Nguesso après ses interventions publiques, notamment sur la chaîne du journaliste indépendant Christian Perrin. Selon nos sources, bien introduites au sein du régime du despote congolais, Florent Tiba, de groupe ethnique Teke, a exprimé sa vive préoccupation vis-à-vis de l'opposant Clément Mierassa, qui expose les malversations financières du régime en se fondant sur des faits et des preuves irréfutables. Au cours de cette rencontre contre la corruption, au regard des nombreux cas connus dans notre pays et à la lumière des derniers cas comme le Figagate, les 25 milliards de francs CFA qui se seraient envolés dans le cadre des fonds destinés à la COVID-19, ainsi que des révélations faites par notre compatriote, le consultant en expertise pétrolière et minière, Alphonse Mabouso. Comme vous le savez, selon Transparency International, le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Son indice de perception de la corruption est médiocre et s'élève en 2022 à 21 sur 100. Le Congo occupe le 164e rang mondial sur 180 pays. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Cette situation est à la fois grave et préoccupante. Elle interpelle tous les Congolais, puisque la corruption est le cancer de l'économie, elle freine le développement, appauvrit et plonge le pays dans la misère. Cela ne devrait pas nous surprendre, puisque dans son discours d'investiture du 14 août 2009, le chef de l'État avait déclaré ce qui suit. Je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit de nos efforts multiples, notre pays n'est pas encore, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement de deniers publics et d'actes tout autant répréhensibles que néfastes à l'accomplissement du bonheur collectif. Le directeur de cabinet du dictateur Denis Sassou Nguesso dit ne pas être satisfait des interventions publiques de Clément Mierassa sur l'actualité congolaise. Une information qui nous a été soufflée par un membre du PCT sous couvert de l'anonymat. Rappelons que Clément Mierassa s'était rapproché des positions politiques du président Guy Brice Parfait Kolela avant son empoisonnement spectaculaire, dont la dépouille a été provisoirement enterrée en France. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, affaibli par le poids de la vieillesse et de la maladie somnolente, tente d'éliminer physiquement les cadres Teke non soumis à sa volonté. Une pensée pour Marcel Nsourou, empoisonné dans sa cellule de prison, et à André Okombi Salissa, le vieux tout bouge, injustement incarcéré pour avoir dit non au changement de la Constitution en 2015. Difficile de vous en dire plus. Nous suivons prudemment les faits et gestes de certains classiques du régime pour en savoir un peu plus. La libération du Congo de cette dictature tribaliste, ethnico-familiale, est le devoir de chaque Congolais soucieux de l'avenir de ce pays. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon ?